Le voglio chiedere il programma possibilmente più preciso del centro studi di Amsterdam. Bon, alors, sur irgendeinem bestimmten Punkt nicht übereinstimmen. Vielleicht könnte einer von denen etwas darüber sagen, von den Holländern. Ja, ich möchte dazu sagen, das ist so grob gefasst, dass man von Punkten noch gar nicht springen kann. C'est conçu si largement, si, qu'on ne peut pas parler maintenant de point. C'est trop vaste. Ce n'est pas l'affaire du centre d'Amsterdam d'engager. L'activité des autres, c'est la tâche des autres de s'intéresser aux problèmes de l'urbanisme unitaire qui a été entamé aujourd'hui. C'est à nous ici d'engager le centre d'Amsterdam dans une direction. Oui, mais eux, ils savent beaucoup plus que nous. Le souvenir est lié au monde des œuvres permanentes. Le souvenir de Rembrandt, ce sont les tableaux dans les musées. Alors nous avons beaucoup d'orgueil, mais pas celui d'être Rembrandt dans les musées. Parce que lui, il est traduit pas en hollandais, pas en ce quartier était fait pour la dignité malheureuse de la petite bourgeoisie, pour les emplois honorables et le tourisme intellectuel. La population sédentaire des étages était abritée des influences de la rue. Ce quartier est resté le même. Il était l'environnement étranger de notre histoire. Ici était mis en acte le doute systématique à l'égard de tous les divertissements et travaux d'une société, une critique globale de son idée du bonheur. Ces gens méprisaient aussi la prétendue profondeur subjective. Ils ne s'intéressaient à rien qu'à une expression suffisante d'eux-mêmes, concrètement. Les êtres humains ne sont pas pleinement conscients de leur vie réelle, agissent le plus souvent en tâtonnant. Leurs actes les suivent, les entraînent, les débordent par leurs conséquences. À chaque moment, donc, les groupes et les individus se trouvent devant des résultats qu'ils n'avaient pas voulu. Ils disaient que l'oubli était leur passion dominante. Ils voulaient tout réinventer chaque jour, se rendre maîtres et possesseurs de leur propre vie. Tout comme on n'apprécie pas la valeur d'un homme selon la conception qu'il a de lui-même, on ne peut pas apprécier de telles époques de transformation selon la conscience qu'en a l'époque. Bien au contraire. On doit expliquer la conscience à l'aide des contradictions de la vie matérielle, à l'aide du conflit qui existe entre les forces de production sociale et les conditions sociales. L'élargissement de la vie quotidienne n'avait pas encore suivi les progrès atteints dans la domination de la nature. La jeunesse s'écoulait entre les divers contrôles de la résignation. Notre objectif a saisi pour vous quelques aspects d'une micro-société provisoire. La connaissance des faits empiriques reste abstraite et superficielle tant qu'elle n'a pas été concrétisée par son intégration à l'ensemble, qui seul permet de dépasser le problème partiel et abstrait pour arriver à son essence concrète et implicitement à sa signification. Ce groupe était en marge de l'économie.
il tendait à un rôle de pure consommation, et d'abord de consommation libre de son temps. Il se trouvait ainsi directement occupé des variations qualitatives du quotidien, mais dépourvu de tout moyen d'intervention sur elles. L'aire de déplacement de ce groupe était très réduite. Les mêmes heures ramenaient aux mêmes endroits. Personne ne voulait dormir tôt. La discussion sur le sens de tout cela continuait. Notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit. Nous cherchons notre passage. La littérature abandonnée exerçait tout de même une action retardatrice au niveau de quelques formulations affectives. Il y avait la fatigue et le froid du matin dans ce labyrinthe tant parcouru comme une énigme que nous devions résoudre. C'était une réalité en trompe-l'œil à partir de laquelle il fallait découvrir la richesse possible de la réalité. Au bord de la rivière, recommençaient le soir et les caresses et l'importance d'un monde sans importance. Comme les yeux regardent beaucoup de choses confusément et n'en peuvent voir distinctement qu'une, de même, la volonté peut imparfaitement tendre à divers objets et ne peut parfaitement en aimer qu'un à la fois. Personne ne comptait sur l'avenir. Il ne serait pas possible d'être ensemble plus tard et ailleurs qu'ici. Il n'y aurait jamais de liberté plus grande. Le refus du temps et du vieillissement isolait d'avance les rencontres dans cette zone, accidentelle et bornée, où ce qui manquait était ressenti comme irréparable. L'extrême incertitude quant aux moyens de subsister sans travailler était à la racine de cette hâte qui faisait les outrances nécessaires et les ruptures définitives. On ne conteste jamais réellement une organisation de l'existence sans contester toutes les formes de langage qui appartiennent à cette organisation. Quand elle s'exerce dans un circuit fermé, la liberté se dégrade en rêve, devient simple représentation d'elle-même. L'ambiance du jeu est par nature instable. À tout moment, la vie courante peut reprendre ses droits. La limitation locale du jeu est plus frappante encore que sa limitation temporelle. Tout jeu se déroule dans les contours de son domaine spatial. Autour du quartier, autour de son immobilité fuyante et menacée, s'étendait une ville à demi connue, où les gens ne se rencontraient que par hasard, s'égaraient sans retour. Les filles qui se trouvaient là, parce que jusqu'à l'âge de 18 ans, leur famille disposait légalement d'elles, était fréquemment ressaisie par les défenseurs de cette détestable institution. Elles étaient couramment enfermées sous la garde de ces êtres qui, entre tous les mauvais produits d'une mauvaise société, apparaissent les plus laids et les plus répugnants des religieuses. Ce qui, le plus souvent, permet de comprendre les documentaires, c'est la limitation arbitraire de leur sujet. Ils décrivent l'atomisation des fonctions sociales et l'isolement de leurs produits. On peut, au contraire, envisager toute la complexité d'un moment qui ne se résout pas dans un travail, dont le mouvement contient indissolublement des faits et des valeurs, et dont le sens n'apparaît pas encore.
La matière du documentaire serait alors cette totalité confuse. L'époque était parvenue à un niveau de connaissances et de moyens techniques qui rendait possible et de plus en plus nécessaire une construction directe de tous les aspects d'une existence affective et pratique libérée. L'apparition de ces moyens d'action supérieurs, encore inemployés à cause des retards survenus dans la liquidation de l'économie marchande, avait déjà condamné l'activité esthétique, dépassée quant aux ambitions et quant au pouvoir. Le dépérissement de l'art, et aussi bien de toutes les valeurs des anciennes conduites, avait formé notre base sociologique. Le monopole de la classe dominante sur les instruments qu'il nous fallait contrôler pour réaliser l'art collectif de notre temps nous avait placés en dehors même d'une production culturelle officiellement consacrée à l'illustration et à la répétition du passé. Un film d'art sur cette génération ne sera qu'un film sur l'absence de ses œuvres. Les autres suivaient, sans y penser, les chemins appris une fois pour toutes, vers leur travail et leur maison, vers leur avenir prévisible. Pour eux, déjà, le devoir était devenu une habitude, et l'habitude un devoir. Ils ne voyaient pas l'insuffisance de leur ville, ils croyaient naturelle l'insuffisance de leur vie. Nous voulions sortir de ce conditionnement à la recherche d'un autre emploi du paysage urbain, de passions nouvelles. L'atmosphère de quelques lieux nous faisait sentir les pouvoirs à venir d'une architecture qu'il faudrait créer pour être le support et le cadre de jeux moins médiocres. Nous ne pouvions rien attendre de ce que nous n'aurions pas modifié nous-mêmes. Le milieu urbain proclamait les ordres et les goûts de la société dominante avec une violence égale à celle des journaux. C'est l'homme qui fait l'unité du monde, mais l'homme est répandu partout. Les hommes ne peuvent rien voir autour d'eux qui ne soit leur visage. Tout leur parle d'eux-mêmes, leur paysage même est animé. Il y avait partout des obstacles. Il y avait une cohérence dans les obstacles de tout genre. Ils maintenaient le règne cohérent de la misère. Tout étant lié, il fallait tout changer par une lutte unitaire ou rien. Il fallait rejoindre des masses, mais autour de nous le sommeil. La dictature du prolétariat est une lutte acharnée, sanglante et non sanglante, violente et pacifique, militaire et économique, pédagogique et administrative, contre les forces et les traditions du vieux monde. Finalement, dans ce pays, cette fois encore, ce sont les hommes d'ordre qui en sont venus à se faire émeutier. Ils ont assuré davantage leur pouvoir. Le grotesque des conditions dominantes, ils ont pu l'aggraver selon leur cœur. Ils ont décoré leur système avec les pompes funèbres du passé. Des années, comme un seul instant prolongé jusque-là, prennent fin. Ce qui était immédiatement vécu reparaît figé dans la distance, inscrit dans les goûts et les illusions d'une époque, emporté avec elle. L'apparition d'événements que nous n'avons pas faits, que d'autres ont faits contre nous, nous oblige à mesurer désormais le passage du temps, ses résultats, la transformation de nos propres désirs en événements. Ce qui différencie le passé du présent est précisément son objectivité hors d'atteinte. Il n'y a plus de devoir être. L'être est à ce point consommé qu'il a perdu l'existence. Les détails sont déjà perdus dans la poussière du temps.
laquelle avait peur de la vie, avait peur de la nuit, avait peur d'être prise, avait peur d'être gardée. Ce qui doit être aboli continue, et notre usure continue avec. On nous abîme, on nous sépare. Des années passent et nous n'avons rien changé. Encore une fois, le matin, dans les mêmes rues. Encore une fois, la fatigue de tant de nuits pareillement traversées. C'est une marche qui a beaucoup duré. Vraiment difficile de boire davantage. Évidemment, on peut à l'occasion en faire un film. Cependant, même au cas où ce film réussirait à être aussi fondamentalement incohérent et insatisfaisant que la réalité dont il traite, il ne sera jamais qu'une reconstitution, pauvre et fausse comme ce travelling manqué. Il y a maintenant des gens qui se flattent d'être auteurs de films, comme on l'était de romans. Leur retard sur les romanciers, c'est d'ignorer la décomposition et l'épuisement de l'expression individuelle dans notre temps, la fin des arts de la passivité. On entend louer leur sincérité puisqu'ils mettent en scène, avec plus de profondeur personnelle, les conventions dont ils sont faits. On entend parler de libération du cinéma, mais que nous importe la libération d'un art de plus à travers lequel Pierre, Jacques ou François pourront exprimer joyeusement leur sentiment d'esclave. L'unique entreprise intéressante, c'est la libération de la vie quotidienne, pas seulement dans les perspectives de l'histoire, mais pour nous et tout de suite. Ceci passe par le dépérissement des formes aliénées de la communication. Le cinéma est à détruire aussi. En dernière analyse, ce n'est ni le talent, ni l'absence de talent, ni même l'industrie cinématographique ou la publicité, c'est le besoin qu'on a d'elle qui crée la star. C'est la misère du besoin, c'est la vie morne et anonyme qui voudrait s'élargir aux dimensions de la vie de cinéma. La vie imaginaire de l'écran est le produit de ce besoin réel, la star est la projection de ce besoin. Les images des entr'actes conviennent mieux que toutes les autres pour évoquer un entr'acte de la vie. Pour décrire effectivement cette époque, il faudrait sans doute montrer beaucoup d'autres choses. Mais à quoi bon? Il faudrait plutôt comprendre la totalité de ce qui s'est fait, ce qui reste à faire, et non ajouter d'autres ruines au vieux monde du spectacle et des souvenirs.